Regarde ce magnifique cake aux légumes. Salut, c'est French Gourmet et aujourd'hui je te montre une petite recette verdoyante parfaite pour l'apéritif. Rapide et délicieuse, tu dois absolument essayer ça. Allez, c'est parti! On commence par les ingrédients. Tu auras le détail dans la description, mais tu auras besoin de 3 œufs, de beurre, de fromage, moi j'ai pris du parmesan en gros bout et du gruyère râpé, de levure chimique, d'oignons, de poireaux, de courgettes, de farine, de petits pois, de moutarde et de lait. On va commencer par faire fondre le beurre à feu doux. À côté, on fait chauffer une poêle avec de l'huile d'olive et on fait revenir oignons et poireaux. Bien sûr, pour les légumes, pas de problème, tu peux prendre ce que tu veux et ce que tu as. En même temps, on va réaliser la pâte à cake. Tu casses 3 œufs dans un bol et tu ajoutes le lait et la moutarde. Là, tu mélanges bien le tout et tu pourras ajouter le gruyère râpé ainsi que le beurre fondu en filet tout en remuant. Tout en surveillant ta poêle, tu peux ajouter la farine et la levure dans la préparation précédente, puis remélanger. Plus qu'à ajouter les petits légumes, petits pois, courgettes râpées et poireaux, sans oublier les gros bouts de parmesan, c'est vraiment le top quand tu en croques un dans le cake, c'est trop bon. Puis, tu beurres un moule et tu verses le tout dedans. Et hop, au four préchauffé à 190 degrés, tu en as pour 45 minutes minimum. Ça dépend des fours, moi je l'ai laissé plutôt 55 minutes. En tout cas, surveille-le bien et plante un couteau dedans qui doit ressortir sec quand il est cuit. Plus qu'à le faire refroidir un petit peu et à se régaler. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ce serait vraiment top. Allez, bon appétit et à bientôt.